Il a aménagé plusieurs dizaines de voiliers produits à des centaines d'exemplaires. Patrick Roséo est l'un des designers navals les plus réputés. Quelqu'un de simple, comme tous les mercredis matins, avant de se rendre à son agence, il achète sa betterave rouge au marché de La Rochelle. Si ses coups de crayon portent la signature de milliers d'unités, son parcours professionnel le plonge dans l'univers marin. Une formation d'ébéniste, puis des études à l'école Boulle de Paris, le dirige vers un architecte naval. Aujourd'hui, l'agence Roseau Design a plus de 20 ans et sous-traite son savoir-faire pour les plus grands constructeurs du monde nautique. J'ai commencé à faire les bateaux très tard, vers l'âge de 25 ans. Et là, j'ai trouvé que ça me plaisait beaucoup. Et j'ai dit, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. En 1982, Patrick Roséo prend le large en solitaire. Il gagne rapidement la reconnaissance de ses clients. On a eu 5 bateaux qui ont été élus au moins bateau de l'année. Le Pogo 10-50 qui a été élu bateau de l'année, et deuxième bateau de l'année, Dufaux 45. À partir du moment où on a défini la taille du bateau, où on est à peu près OK sur le style du roof, tout ça, si c'est une nouvelle gamme, on va donc travailler plus à fond donc sur les aménagements. Ensuite, on va rapidement faire le plan de pont, en 3D toujours. On a également toute la masse d'aménagements à faire en 3D de façon très précise. Donc l'idée, c'est dans le design de dire, bon ben voilà, je fais ça à l'extérieur, ça va me donner ça à l'intérieur, qu'est-ce que je peux en tirer au niveau design? Il faut que je puisse passer mes spots, que je puisse passer mes câbles électriques et tout ça. Enfin bon, c'est une gymnastique d'esprit, moi j'adore, c'est super intéressant, mais bon, c'est vrai que c'est une contrainte. Le rôle de l'architecte naval est d'associer la modernité à la tradition marine. Le métier consiste à voir le bateau dans sa globalité, apporter de la lumière, gérer l'espace, le confort, mais aussi la sécurité. Voilà ce à quoi Patrick Roseau est confronté. Sculpteur d'espace, il harmonise le mobilier, l'ébénisterie et l'architecture pour le plus grand plaisir de ses usagers. Les raisons du succès de ses voiliers d'exception résident sur l'expérience et l'amour qu'il apporte à la fois à son métier et à sa passion.